Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555, je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Nous sommes le dimanche 4 avril, c'est la Sainte Isidore, je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les Isidores qui nous écoutent. Aujourd'hui c'est un proverbe chinois, ne craignez pas d'avancer lentement, craignez seulement de rester sur place. Je répète, ne craignez pas d'avancer lentement, craignez seulement de rester sur place. Allez, nous allons voir ce que cette journée va vous réserver. Alors, ben écoutez, je dirais que vous passez un cycle, hein, on termine l'automne, pour moi, c'est vraiment le côté, on termine un cycle, on termine quelque chose. On fait donc des compromis, on range, on nettoie, c'est un petit peu le côté, voilà, j'enlève des choses, je m'épure, je me désintoxe, hein, c'est un petit peu ça, pour retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Donc là, je pense plutôt à soit un couple qui remet les choses en place pour pouvoir redémarrer, soit des célibataires qui se disent tiens, je vais essayer de retrouver une certaine stabilité personnelle, ou soit les personnes qui vivaient dans une situation sentimentale complexe, qui décident de faire le point en faisant une cure de détox. Excusez-moi. Alors, changement, transformation. On voit bien la signature d'un nouveau contrat et on voit bien effectivement un nouveau lieu. Alors, ça peut être l'achat ou la vente d'une maison. Ça peut être également le contrat de travail avec un autre lieu. En tous les cas, il y a du changement qui s'opère pour vous et ça, c'est clair, net et précis, surtout dans le domaine, je dirais, professionnel ou dans le domaine de la vente de quelque chose. On parle d'épanouissement, donc c'est plutôt une belle journée. Ça veut dire que vous vous occupez de vous aujourd'hui, quelque chose qui va durer sur le long terme et limite quelque chose qui va vous faire grandir. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre soin de vous. Alors, peut-être des nouvelles méditations, peut-être un nouveau sport, peut-être de nouvelles connaissances. En tous les cas, vous focalisez sur vous et vous avez bien raison. La confiance avec l'œillet commun. Vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Elles sont des anges terrestres envoyés pour vous donner les conseils que vous cherchez. Faites-vous confiance aussi, faites confiance à votre intuition. Suivez cette intuition, suivez ce sixième sens que vous pouvez avoir. En tous les cas, cela reste une journée recentrée sur vous et pleinement sur vous. Et vous avez bien raison. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Vous voyez, on se recentre sur ce qu'on veut, sur ce que l'on souhaite. C'est une journée d'introspection. C'est une journée dans laquelle vous allez retrouver certaines choses, certaines, on va dire, ressentis personnels, et vous allez vous redécouvrir pleinement et judicieusement. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on termine avec une carte. Hop, putain, bon dimanche, hein. Recentrez sur vous, ça va vous faire du bien, prenez soin de vous. Gratitude, oui, bah soyez en mode gratitude, merci du temps que j'ai, merci qu'aujourd'hui je prenne soin de moi. C'est vraiment ça que je ressens pour beaucoup d'entre vous, un retour sur soi qui va vous faire le plus grand bien. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, bon petit café pour ceux qui m'écoutent pendant le café, et je vous dis à très vite sur ma chaîne, à bientôt, au revoir.